pour ne qui a meilleur déposer les armes. Mamdou Gary, après assassinat Jovenel, il y a des signes positifs qui sont venus côté tout le monde de baisser les âmes. On t'a senti, c'est un moment de trêve de gain. Mais même dit que ce n'est pas seulement les gens qui sont dans les quartiers populaires qui ont des âmes. Les gens qui possèdent dans le pays, ils ont des âmes. C'est comme si c'est un pays qui est armé totalement. C'est qu'il y a un mécanisme qui vous permet que les âmes ne soient pas livrées dans des banditistes, dans des actes banditistes, pour ne pas entrer dans le fonctionnement de la société et pour ne pas participer dans un crime, dans un assassinat, dans un massacre, dans un kidnapping. Moi, je pense que ça, c'est responsabilité pouvoir, l'État, qui pour garder d'abord comment pour approcher la question ça, parce que ce n'est pas une simple problématique. Parce que, couvre, la situation qu'il a, il est venu à la faveur des crises politiques. Yo. Et il est venu empirer avec Jovenel, parce que les populations ont sorti dans le quartier populaire. Et Jovenel, tu vois qu'il n'a pas dit l'autre moyen pour te stopper. Population, c'était fait avec Azam yo et brider population. Mais nèg Azam ça yo vin tellement puissant, yo vin tellement prendre autorité et beaucoup de Jovenel, mais yo vin augmenter arsenal yo. Et jodi a son l'autre situation, non pas non situation de d'affrontement, non pas non situation côté gagner zen dans la ria, son situation de dialogue, de négociation, mais son occasion pour tout le monde yo participer dans le dialogue ça, pour permettre que nous joignons non seulement solutions politiques, sociales, économiques et sécuritaires. C'est important pour nous garder ça ensemble. Et moi, je crois que c'est un bagage qu'il faut garder avec des experts et garder tout comment pour nous rentrer dans le quartier populaire pour nous faire social, comment pour nous faire réinsertion, comment pour nous parler avec des gens qui probablement n'ont pas de bons âmes, mais n'ont pas de participer dans le crime. Le pot ko participe nan massacre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de sauver toujours. Mais il y a des gens tout, il faut que nous créions des conditions. Si c'est assistance sociale, il y a bayo, assistance juridique, etc., pour nous aller devant la justice pour autant de yo, moi, je crois que tout ça, nous sommes capables de définir. Parce que nous ne sommes pas engagés dans une guerre avec les même population, ça, qui vivent du même côté avec les gens. Nous ne pas quitter ça. C'est là le cas. C'est ça que fait. Moi, je crois que le pouvoir qu'il a, ou bien le gouvernement qu'il a, il n'a pas profité du momentum qui t'est offert là. Trêve qui t'est gagné pour lui garder comment adresser le problème ça le plus rapide que possible. Moi, je crois tout, et qui acte tout avec l'enterre, parce que je dis, ça fait 2 mois depuis Jovenel mourir. Côté responsabilité acte pour priver le fonds de dépassement et proposer un bagage à la nation. Par exemple, ça fait, et ça fait des faits que je dis, c'est Ariel qui a débrouillé le coup le connaît pour chercher un accord politique. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes trop différents. Par exemple, nous avons choisi une scène, tout le monde vire de la gueule. Il a cherché l'autre solution. C'est-à-dire, nous, pas pour nous-mêmes, nous manquons de consistants, nous manquons de cohérents qui permettent que Jodia, après 2 mois, et la mort Jovenel, nous avons toujours tergiversé. Et pourquoi tout ça a eu un impact sur la situation sécuritaire dans le pays? C'est et c'est assez... ça, moi, je souhaite que son bagage qui est important pour nous garder sous le angle et des cadeaux en termes de stratégie et avec le monde qui connaît le métier, ça, qui connaît la question et comment pour le travail, pour des désarmement, pour parler avec le monde, quartier populaire, etc. Comment pour faire le dialogue social, etc. Tout bagage ça, pour nous finir avec la question ça. Et moi, je crois qu'il y a des possibilités par le fait qu'il y a été observé. On trêve. Ça a montré qu'il y a une disposition quelque part que le pouvoir et l'État doivent exploiter. Sénateur Kassi, et dans le développement, là, on dit que nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est la revendication populaire, c'est le renforcement ou réforme institutionnelle dans le pays. Est-ce que ça veut dire, dans le cadre de transition, ça que nous avons parlé là, en fait, SDP n'est pas intéressé à aucun poste et dans le gouvernement? Écoutez, nous avons des expertises, nous avons des gens qui ont des connaissances en SDP. Et si les besoins fait sentir et conditions réunies pour nous mettre expertise à la disposition d'un gouvernement qui ne s'y a quoi avec, ou pouvoir qui ne s'y a quoi avec,
Laisse ça, SDP a pris une décision. Mais non pas pour participer dans le pouvoir à tout prix. Parce que si nous sommes pour ça, il y a un peu de monde qui dit qu'il a offert nous 50%, qu'il a offert nous 95%, qu'il a offert nous 100% pouvoir. Mais nous n'avons pas de jambon. Ça veut dire, aujourd'hui, nous avons des revendications qui nous poursuivent avec la population. Et ces revendications ça qui mettent le peuple dans la rue. Et si nous avons des revendications, le peuple a tourné contre nous. Et c'est ça que fait nous-mêmes au niveau SDP, nous aurons été attachés avec les revendications. D'abord, et l'enfin joindre des cadeaux d'acceptation, nous finissons joindre à cause de nous. Laissons nous regarder comment partager responsabilité et pas partager responsabilité n'importe comment. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas décider de chiter avec eux en tant que gouvernement. Et pour et diriger pendant qu'il y a des gens qui c'est démagogie, c'est vagabondage, je crois. Ça veut dire, moi, je crois que ça qui est important, c'est constituer une équipe. Et lorsque constituer une équipe, vous cherchez jouer côté qui, vous cherchez bons joueurs, vous recrutez des bons joueurs. Ce n'est pas une question de bail job. Et parce que pour les coparables, c'est avec Haïtiens, avec le monde pour faire gouvernement. Il y a dit son partage des postes, il y a dit son partage des responsabilités, il y a dit son équipe et technique, dynamique qu'on mettait en place pour mener le gouvernement autour de ou ensemble des plans, des bagailles qui définit. Et il y a une boussole que le gouvernement sait bien, c'est à quoi qu'il y a besoin non, et qui a permis que tout le monde y a bataille pour l'application à quoi ça. C'est pas déjà, condition à poser là-haut, c'est pas déjà les conditions qui vous constituent des obstacles à quoi qu'on a parlé là, puisque vous dites que le monde, déjà, nous pas chiter avec le gouvernement, nous pas souhaiter le gouvernement. Bonjour, si c'est pour ça, c'est que c'est pouvoir nous pas chercher. Et l'homme dit pouvoir, pouvoir à tout prix. Parce que pas de monde qui a fait politique qui n'a pas besoin de pouvoir pour faire passer des cadeaux, projets politiques ou bien faire passer les revendications de la population. Et ce monde de ça qu'on a menti. Parce que pour qui ça la promesse, c'est arriver dans l'espace pouvoir pour transformer l'État et satisfaire les revendications de la population. Mais nous-mêmes, nous allons être d'accord pour une chita avec des assassins, des criminels. Nous voulons être d'accord pour nous chiter avec des mouns qui te volent comme Petro-Caribé. Nous voulons être d'accord pour nous chiter avec des mouns qui fait massacre la Saline, Belé. Nous voulons être d'accord pour nous chiter avec des mouns qui tuent Doval et qui tuent un pile l'autre monde toujours. Ça veut dire, ça, le crime de sang, crime financier, mouns qui fait mauvaise gestion, il n'est pas capable de participer dans le gouvernement journal. Je veux dire, on parle de gouvernement de transition, gouvernement de rupture. Il n'est pas capable. Ça veut dire, ça, il n'est pas pour nous au sérieux. Et ouais. C'est ça, yo, qui, principe, nous, c'est pas pour dire qu'il y a des problèmes avec, on gagne monde ou bien, nous avons des problèmes avec PHTK. On monde qui a PHTK, mais sous honnête ou crédible ou compétent, pour qu'il soit pas servi pays ou. Parce qu'il n'y a pas qu'à prendre tout PHTK, on dit, n'a pas dans le pays, pour qui ça? Si yo honnête, yo crédible, yo intègre, yo compétent, en météo, dans position pour yo servir. Mais si il y a des criminels, quel qu'en soit côté le sorti, il met sorti dans SDP, de mettre sorti dans quel qu'en soit parti, il faut écarter la transition de rupture. Et sénateur, un pile monde comprend et son constat que la gouvernance pays, c'est un petit groupe de monde qui assure pendant des décennies qui passent là. Si groupe ça était là, il y a un autre groupe. Si groupe qui était au pouvoir, là, dans l'opposition, après ça, il tourne au pouvoir, donc son cycle. Vous souhaitez parler, vous dites que si on monte par exemple fait gagote dans Petro-Caribé, c'est pas de monde certainement qui t'a doué dans le gouvernement. Alors ce que les Nabgadi, ensemble de monde et acteurs qui impliqués dans le processus pour jouer un accord, pour jouer une entente, pour espérer qu'il y ait un minimum de stabilité, donc dans pile dans yo qui t'a participé dans le gouvernement passé et certainement côté l'argent Petro-Caribé a dépensé. Par exemple, si nous prenons la tranche 2011-2016, dernière en fait, résolution sur Petro-Caribé, il prend au sous-privé, tout le monde connaît qui est le groupe monde qui t'a dirigé. Donc, est-ce que là, déjà, ce n'est pas un problème, ce n'est pas hypocrisie? Donc, là, on a dit, on a cherché à quoi comme ça? Bonjour. Moi-même, moi, c'est un monde qui respecte les journalistes. Et je voulais les journalistes. À approcher les questions, approcher son angle professionnalisme. C'est ça qu'on est dans le cours Gary Pierre-Paul Charles, il y a un peu de respect pour lui. Je dis, c'est unique journaliste à travers PIA qui font enquête approfondie sur l'assassinat Jovenel.
l'autre fois encore, salut Gary, parce que nous sommes sur le quatrième acte sous question ça. Et c'est pas un bagage qui était facile, parce que s'il était facile, l'autre journaliste t'a fait. Et probablement m'attendre le cinquième acte, et parce que ça permet qu'il y ait un pile monde, yo comprendre l'assassinat journal là, et yo pas attendre ces journalistes à l'étranger qui viennent faire. Et c'est même bagage. Et pour question que vous posez maintenant là, nous souhaitons que vous basiez sur des faits. Parce que je dis à la question des Petro-Caribé, ce n'est pas rimel. Il y a des dossiers, il y a des rapports qui sortent. C'est sur base rapport, sous base rapport, nous avons qui monde qui est impliqué là-dedans, qui monde et qui est indexé, et monde ça yo. En attendant que la justice prononce le soyo, parce que jusqu'à présent, c'est des monde qui. Ou qu'a dit c'est des présumés ou bien des mondes et qu'on pas dit que bon décision justice qui prend compte ou pas qu'a mettre totalement à l'écart mais yo qu'attend décision justice prononcée compte ou le connaît est-ce que au crime est-ce que pas crime c'est la entre temps dans cadre de transition de rupture là et tout le monde ça qui gagne yon épée d'Amoclès et qui pendait sous tête yo faut écarter yo mais sénateur Kassi en fait nous pensons au courant de information ça yo à cette voici qui t'a parlé qui t'a dit comment en fait pouvoir lui-même lui était partagé en 2016 est-ce que c'était mensonge parce que lui-même il dit il était en affaires sociales ou était en BM pas de débat en tout on liste donc ça veut dire dans intervalle que gouvernance ça était possible là c'est certainement gain de monde qui là qui cherchait encore qui était dans qui était une responsabilité pendant Petro-Caribéa lui-même comme ça il était disponible dans le pays à dépenser donc pas quoi ça c'est non mais attendez là encore pas aucun problème il y a des monde qui participent dans le gouvernement il y a des responsabilités de participation des actes qu'elle posait et il y a des mécanismes qui est tracé et pour monde ça pour répondre des actes qui opposés. Et si le font bonne gestion tout remercier eux ça pas gagner pas une discussion sur lui et m'a dit nous bagarre qui fondamental et c'est ça que je dis à nous dit nous même au niveau SDP secteur démocratique et populaire nous gagner deux piliers qui n'a travaillé sur lui là d'arrache pied qui c'est la transparence et la participation transparence c'est qui ça je dis à pas occuper personne monde qui dit que quelqu'un gouvernement et il pas participer ou bien pas partager poste. Mais à qui est-ce que fait le gouvernement? Est-ce que c'est des étrangers qui vont chercher ou bien c'est des objets à prendre, c'est des robots à mettre? Non, c'est des gens qui ont choisi pour mettre là-dedans. On a, est-ce que les gens prennent responsabilité autour d'un plan qui définit, d'un agenda qui définit et que le chef de gouvernement a veillé à l'application de l'agenda? Ça veut dire, on n'a pas de problème sur c'est des Haïtiens, c'est des gens ou bien des gens qui ont connu, qui ont expertise, qui ont compétent. Ou aider le diriger, couvrir qu'on pas vle, dans quel que soit pays du monde, c'est comme ça le fait. A pas Biden arrivé comme président, qui est-ce que nous prenons? Pas monde qu'elle connaît, le mettez avec. Mais entre-temps, institution a fonctionné, monde qui pas joué rôle de bien, il a pris des décisions contre eux. Parce que c'est ça qui est important. Parce que moi-même, moi, quoi, il est temps pour nous finir à faire ces monde dans la rue qui condamne monde, ou bien ces monde dans la rue qui a jugé monde. Il y a une institution qui est placée pour ça, il y a la Cour des comptes, il y a l'ILCC. Gagne dans le pays côté tout bagarre fonctionner gagne le parlement gagne et tribunal droit commun bon ensemble des institutions qui là pour prononcer sous gestion des monde sous action que nous opposer sous acte moi je pense que c'est là pour aller et couvre les coups à vle et si je dis à moi-même optimum des affaires en de si bien avoir m'après l'eau pour venir bon coûte mais après les gars pour venir bon coûte mais quand il pas venir pour des conditions pas réunies. Mais c'est d'abord moun me connaît pour me reler parce que m'pa ka reler moun me pa connaît. Faut me reler moun me connaît, moun qui a compétence ou bien moi mander de l'autre moun chercher de l'autre moun qui a compétence, de moun qui honnête qui intègre et qui pas gagne pour sous judiciaire etc., qui pas en affaire à la justice pour venir bailler payer le coût mais suivant des principes de bagaille qui établi et ça qui établi, il doit respecter et s'il pas respecter, chef gouvernement a prendre des dispositions qui concerne les gens. C'est là que si au niveau de SDP, nous gagnons de priorité déjà que nous avons en fait réfléchi sur lui pour nous voir comment notre cadre de transition ça
Et si nous regardons déjà, c'est qui est sur s'il vous plaît, les priorités. Les priorités, nous, c'est garder comment nous capables d'aider la population à continuer à organiser pour continuer à défendre les revendications. Par exemple, le procès Petro-Caribé, et c'est une bagaille que la population prend à cœur. Et c'est le procès Petro-Caribé qui cause un pile massacre fait dans le pays. Et gagner de l'autre jugement, l'autre procès encore qui est important, tant que Matonier, tout l'autre monde qui est tombé, Antoinette Duclair, tout l'autre monde qui est tombé. Et ça, il y a préoccupé nous parce que nous croyons que la population a une réponse immédiate sur la question de ça. Et l'autre chantier qui attend tout le monde, et qui c'est là pour consacrer sa transition de rupture, le nouveau système qui va permettre que nous créions un système à partir de là pour créer un système côté monde qui n'a pas ghetto, ce n'est pas ZAM seulement qui pour le point, mais il y a de l'autre bagaille qui est au fond. Par exemple, école professionnelle, etc. Ça dit finalement une constitution hein, et qui vous permet qu'il y ait une nouvelle constitution et constitution ça doit sortir de conférence nationale souveraine qui n'a pas lien. Et l'une des bagages qui est plus pressant qui nous tous d'accord, c'est comment qu'a offrir participation nous dans question rétablir sécurité dans le pays. Et est-ce que c'est à travers des messages, est-ce que c'est à travers des mondes qu'on gagne pour sensibiliser et tout le monde pour rentrer dans une campagne de sensibilisation pour permettre d'arriver avec un climat sécuritaire, pour favoriser la création de richesses, pour favoriser la création d'emplois, etc., pour toute entreprise capable de fonctionner. Mm-hmm. Et l'autre bagaille encore, c'est combattre la misère. Et nous, nous-mêmes, de façon pas nous, de contribution pas nous, c'est notre côté. Et l'autre bagaille pour nous dire qui est plus pressant pour nous, c'est comment reconstruire le Grand Sud, qui est important pour nous, parce que nous faisons expérience le 12 janvier 2010, côté Port-au-Prince crasé, pour pas avoir aucune mesure qui prend et qui pour montrer que nous avons l'autre habitat, un habitat qui est adapté avec la réalité et catastrophes naturelles, tant que etc. Et dernier bagage qui est important pour nous et que nous tous nous connaissons, c'est le jeu démocratique qui exige, c'est les élections. Parce que nous croyons la meilleure façon pour nous prendre pouvoir. Pour mon cas servir pays où c'est à travers les élections et actuellement SDP c'est une force politique qui est plus cadre plus jeune là-dedans et qui a milité à travers de la République et qui voulait offrir une autre génération de dirigeants à travers pays. Mm-hmm. Pour réaliser tout bail ça nous gont temps dans tête nous 2 ans, 3 ans, 4 ans capable ça population. En dans bail ça yo bien qui a très court terme, bien qui a moyen terme, bien qui a long terme. Ça veut dire nous segmenter et à partir de segmentation ça on a travaillé sur mm-hmm. Ça veut dire beaucoup gain nouveau un temps et que transition va durer. Non écoutez, transition elle doit durer à un temps à partir de muni et que acte au bail. Par exemple temps pour établir sécurité, par exemple ça me connaît pas qu'à prendre trop de temps, c'est fond nouveau gouvernement. Et monter un CEP rapide qui crédible tout mon esprit et confiance, évaluer le système électoral là, cadre de dialogue, etc. Prendre mesure et pour établir sécurité dans le pays, mettre tout le monde en confiance, faire réforme, faire conférence nationale là, aboutir avec nouvelle constitution et sous l'égide de cette constitution, c'est sous lit, nous allons faire élection. Hein. Et puis organiser l'élection, ça le dit. Son bagage, si tout le monde mette au travail et toute société a. Pour faire contribution par eux. Et pour moi-même, je pense que quand il y a un calendrier et acceptable et un calendrier et pour moi-même et qui pas pour aller au-delà et dans du exagéré. Mm-hmm. Et pratiquement, sénateur Nenel, dans pile monde qui a réfléchi sur le problème Haïti, il a fini par remarquer que, et même affirmer que. Solution Haïti, il passait par une entente. Capacité que différents secteurs clés dans la vie nationale la gagne pour que vous mettez d'accord sur un choix de gouvernance. Je dis à nous qu'on est dans le pays, il y a trois camps. Il y a Le Pen qui est revendiqué, qui a prôné en fait un exécutif bicéphale et Moun. Commission en fait ça qui composait majorité
majoritairement des membres de la société civile, yo même tout yo souhaité que pays a un exécutif bicéphale, donc c'est-à-dire qui lié à sa lien comme texte constitutionnel. Mais de l'autre côté, il gagnait donc le PM Ariel Henry et ses alliés qui croient que son exécutif monocéphale. Donc, si en fait nous arrivons, je nous accord comme SDP, c'est public, l'a négocié, l'a dialogué avec PM Ariel Henry, on dit dans l'hypothèse que nous-mêmes, SDP avec un ensemble de l'autre groupe, nous jouons un accord pour diriger PIA. Donc, on va côté que ensemble de l'autre secteur, PEN et commission de la société civile, yo même yo en dehors. Ça veut dire yo pas participé parce que tu as prôné au exécutif et monocéphale. Est-ce que déjà c'est pas un mauvais départ par rapport au fait que on a parlé là, tu as de gain réforme constitutionnelle, tu as de gagner en fait renforcement institution yo, et puis permettre que misère et sécurité à nous aborder. Est-ce que c'est pas un mauvais départ puisque déjà un ensemble de secteurs cap en dehors de qu'on a trouvé là. Bonjour, ça qu'a fait là, moi-même, moi, puisque son j'ai des clients. Groupe a goumé pour, et c'est eux-mêmes qui pour contrôler le pouvoir. Peut-être dans la loi sautée là, ou pas mentionner trajectoire SDP. SDP lui-même était toujours à militer pour y avoir un accord avec tout le monde. C'est ça que fait nous signer. Puis l'accord est sorti à Kaye et pour passer mi-balai avec alternative consensuelle. Pour arriver et pour arriver Mariotte avec accord Mariotte pour passer Terrasse Garden encore Terrasse Garden qui devine by Mécène et sorti de là tout le monde là qui Mécène c'est celle SDP qui était Kimberly et après ça nous même nous venons à parler à tout groupe tant groupe peine quoi parler nous parler avec sauf que nous pas arriver à entendre nous et même gens tout l'autre groupe société civile qui est dans tête de Magali Komo nous parler avec eux tout. Nous pas arrivé à entendre nos bagages avec eux. Et il y a un groupe société civile qui gagne et Gédéon en tête, qui nous parle avec eux. Et il y a un forum société civile haïtienne qui approche nos tours dans les coulisses. Et il y a un Ndekadou Ariel qui n'a pas parlé avec eux. Pour qui ça, peine lui-même n'a pas parlé à Kola. Nous pas arrivé à entendre nous. C'est qu'il nous pas signé. Et groupe société civile qui n'a pas parlé à li pa fè akòl nou pa rive antann nou et ça fait pour nous même pour parler kembe gen avèl yo pa évolué mais jodi a Ariel poukou pa fè akòl la ki fè n'a parlé avèl mais ça qu'arrivé ke n'pa antann avec Ariel si n'pa antann avec Ariel n'a continuer avec revendication population si nous antann avèl avec un masse critique n'a travaille avèl parce que tout autant ke n'pa signé akòl avec Ariel nou poukou lié avec Ariel ça li clair. Et moi, je te montre que, en plus, l'autre groupe, nous n'avons pas parlé avec nous, nous pas signé avec nous. Nous ne pouvons pas signer avec Ariel, ça ne veut pas dire que nous avons entendu avec Ariel. C'est si l'un signe avec elle, on est capable de questionner sur qui ça va le faire avec elle. Parce que l'expérience, je te montre là, même qui c'est le groupe qui nous travaille, en plus là-dedans, qui c'est des gens qui nous habituent à travailler ensemble avec nous, nous ne pouvons pas signer quoi avec elle. Parce que nous avons des préoccupations qui ne sont pas satisfaites. Les mêmes bagailles pour l'autre commission, il y a des préoccupations qui ne sont pas satisfaites. Mais qu'on y a, avec ça qui concerne la question bicéphale et monocéphale, nous, quoi côté nous y est là, pas n'y a aucune provision constitutionnelle qui dit nous, mais ça pour nous faire, mais ça pour nous pas faire. Et c'est ça qui fait l'important pour gagner un consensus et avec différents acteurs pour permettre nous prenons une mesure pour nous prendre une décision qui allait dans l'intérêt de la population. Et automatiquement, que nous arrivons avec consensus, ça, nous avons des choses qui nous ont fait. Est-ce qu'il y a une tout le monde? Je ne suis pas sûr qu'il y a une tout le monde. Parce qu'en politique, l'unanimité n'a pas existé. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais avoir vraiment tout le monde. On y a arrivé et établi masse critique là. Et ça me sentit par exemple hier après-midi, on rencontre et qui était fait ou joindre bon masse critique qui commençait réunir là si beaucoup monde ça arrivé entendre yo t'arrivé font dépassement
et je pense que ça a offert un bon départ et qui permet de jeter la base pour gagner une démarche vers un consensus large et groupe monde ça va chercher l'autre monde et puis commencer établir un ensemble de conditions pour favoriser une sortie durable de prison. C'est tout fondamental les fondamentaux que nous-mêmes SDP nous parce qu'on en a prôné automatiquement yo qui avec Ariel et gain possibilité pour signer avec elle en dépit du fait que il y a prôné au exécutif pour l'Océphale. Aujourd'hui, nous avons fait des expériences. Expériences, nous tirons les leçons d'expériences qui fait déjà. Et fort de ça qui fait déjà, nous faisons comprendre comment nous nous comportons. Et une bagaille qui est important pour nous, c'est rester attaché avec revendication population. Je dis une bagaille là, scoop. Ouais, si SDP n'a pas été attaché avec revendication population, adversaire qui est là pour moun kap goumen contre nous en mais SDP de disparaître je dis à m'a dit un bagaille ou mettre notel Jean SDP ancré en dans la population sénateur Kassim met quitter sénateur Rika met quitter sénateur Kato met quitter et ministre majori André député Ulrich Claudie Sidney et Minier hommage et Camille Fièvre etc. Axen yo met quitter SDP a continué à exister, oui. Parce que les gens basent, les gens ensemble des cadres, les gens ensemble des jeunes à travers le pays qui prennent responsabilité. Oui. Et c'est en fonction de ça, nous-mêmes nous disons avancer. Et ça fait qu'il y a des bagailles qui sont importantes pour nous. Ou si nous pas fait des bagailles, ça, oui, SDP a disparu. Et ça fait toujours moins de monde, on nous fait effort ça. C'est la transparence et la participation. Ou est transparence qui s'allie. Si je dis à SDP des possibilités pour gagner 10 gouttes de mer, il dit tout militaire à travers la République gagne 10 gouttes de mer. Il fait la transparence, mais tout va bien passer. Mais quand il gagne 1 million de mer, il pas fait la transparence, et puis ça cause SDP crasé. Ça nous gagne là, même ça qui est là, investissement que peuple haïtien fait, après plus que 4 ans, en dans SDP, nous-mêmes dirigeants, il faut nous goûter pour nous protéger. Et c'est ça qui fait, nous dit, au niveau SDP, c'est fondamentaux qui sont importants. Par exemple, pour ces pétos caribés, jugement massacre, et conférence nationale souveraine, nouvelle constitution, sécurité pour tout le monde, participation diaspora, par exemple, il y a un bagage qui nous goûter avec en pile avec Ariel. Et dans le cadre de proposition d'accord qu'il dévoie ou bien projet d'accord qu'il dévoie, nous disons que Fok Gomam, c'est un peu qui sorti dans la diaspora. Et finalement, avec, après un pile bataille, il a inséré là-dedans. Et nous avons goûté pour construire l'élection pour le fait là, pour les gens dans la diaspora, des possibilités pour le voter. Et nous avons goûté tout pour les prisonniers politiques nous sortir. Parce que je dis à nous avons masse de prisonniers politiques qui sont dans la prison. Faut qu'ils sortent parce que c'est pas crime qu'ils ont fait, c'est pas vol qu'ils ont fait. Celle ça ont fait comme bagaille qui est mauvais, c'est parce qu'ils ont revendiqué pour ces pétos caribés, ils ont revendiqué un autre système. Ah, mais je dis, on n'a pas qu'à trahir mon ça. Faut que nous continuions pour tes revendications ça. Et c'est avec haïtien pour nous faire. Nous pas venons une équipe haïtienne qui sorti et non l'autre planète qui pouvait nous faire. Pour nous engager entre nous, qui est-ce qui est capable, qui monde qui réunit conditions. Pour nous travailler ensemble avec eux. Et nous cassons un accord avec un groupe. Si nous voulons un accord pas appliqué, pas respecté, nous-mêmes, nous ne pas prêter de cadeau pour nous tuer les revendications de la population. Parce que, guide-nous, ça qui a orienté nous, c'est les fondamentaux du SDP. Et moi, je crois qu'il y a dans les fondamentaux, ça, même journalistes sont présents. Parce que sous le gouvernement Jovenel, ou le pouvoir Jovenel, en plus, les journalistes victimes, ça veut dire. Yo en d'un fondamentaux ça et journaliste ça a besoin on l'autre système et même m'a tendé nous moi n'a parlé avec rage avec frustration parce que nous besoin l'autre pays nous soif pour l'autre pays mais SDP lui-même l'a goumé en ce sens fait le crédit et c'est vrai et à partir en pile coup population prend à partir en pile expérience qu'il fait expérience malheureuse mais il est difficile pour le croire
dans politiciens, etc. Et pour nous vivre gain et actif ça qui est là capital politique qui est à qui journée jodi à tout monde jaloux de lui amen c'est en pile goumé c'est en pile aller venir entre population et nous-mêmes c'est pas ça fake news et diffamation t'a tué SDP déjà ça veut dire fondamentaux nous yo important pour nous et peuple haïtien quoi dans démarche SDPA diaspora quoi dans démarche SDPA et nous-mêmes nous prenons engagement qui ne pas trahir peuple haïtien parce que peuple ça a souffert trop le rivé dans moment pour les grandes équipes monde qui dit après tirer dans salle là n'a gommé pour transition de rupture n'a gommé pour l'autre système n'a gommé pour institution de faute n'a gommé pour camper pour l'autre pays mais n'a continuer aller dans sens ça et nous croit place tout le monde là-dedans sauf monde qui fait crime financier crime de sang place yo pas là mais après ça tout le monde qui veut offrir service avec pays a faut créer espace pour ça faut nous camper sous message division sous message et qu'il faut nous youn manger l'autre au contraire faut nous garder comment pour nous réconcilier nation ça est important puis ga moun fâché parce que m'parler avec un monde qui PHTK et moi chita avec un monde qui PHTK yo rete haïtien depuis pas fait crime financier pas fait crime de sang faut nous parler entre nous et c'est nous pour retirer pays dans sa vie là SDP pour aller vers le monocéphalisme gouvernemental ou bicéphalisme gouvernemental? Je me souviens pour nous. Nous n'avons pas une provision constitutionnelle claire qui dit de quel côté pour nous aller. Et c'est vrai, cadre juridique, nous, les anti-gens bouillés dans la question ça. Parce que, de un côté, je dis, nous-mêmes, au niveau opposition, nous dit que le mandat Jovenel finit 7 février 2021. Blanc lui-même qui installé Ariel, lui dit mandat Jovenel t'a fini 7 février 2022. Ça veut dire, dans la logique blanc, et mandat Ariel comme premier ministre a fini 7 février 2022 si pas un accord politique. Nous-mêmes, nous pas assujettis, nous-mêmes, nous pas liés, pas arrêtés. Jovenel te prend pour te nommer Ariel. Ça nous pral lié si à quoi n'a signé avec Ariel kap di mais qui ça pour le faire mais qui ça pour le pas faire. Et si en dan à quoi ça nous dit si article 149 là capable appliquer. OK, nous pas de problème. Si comme ça tout dit c'est une démarche bicéphale, nous pas de problème parce que yon nan bagay ki m vle pèp ayisyen noté. Depuis là on fin lagué et Messen Joseph nan men nou pou kont nou nou di nou menm nou pa chwazi nou pa bezwen ni président ni premier ministre parce que nou pa goumen pou pouvoir comme ça seul côté nou konnen pral goumen pou pouvoir c'est là que tout bagay mete en place nan cadre transparent an ben nou pral goumen nan élection avec grande famille politique nou pour nou rive pran pouvoir et continuer et renforcer base qui a jeté pour casser système ça pour nous arriver avec rupture avec système ça et c'est dans logique ça nous même nous inscrit et même dit tout le monde SDP pap et fait faut les pap dévier les lignes nous quoi il y a pile monde qui fait attaque sur SDP nous connaît yo mais nous habitué à ça SDP prend pile de l'eau il prend pile coup mais nous toujours sorti renforcé et grâce avec base nous yo à travers quartier populaire, à travers section communale, à travers commune, à travers département, à travers diaspora, jeunes nous, cadres nous, nèg sa yo, messieurs, messieurs, dames sa yo, yo impeccable. Et c'est des mondes qui montrent yo à la hauteur des tâches et yo veulent prendre responsabilité pour construire l'autre pays. Et c'est yo même qui kembe SDP et qui fait que jusqu'à des cadeaux, elle met changement yo. Moun ki peut-être a masqué discours yo pour chercher satisfaire intérêt mesquin yo mais yo pas arrivé écraser SDP confiance yo placé dans SDP confiance yo placé dans dirigeant yo son bagage pour moi-même solide et peuple haïtien lié avec SDP et ça nous engager juger sous zak nous juger sous action posée mais pas juger sous son pensée parce que moun ki a bataille contre SDP yo pour moi même me considérer comme ennemi peuple là parce que nous font expérience avec peuple là
nous travaillons ensemble avec eux. Les difficultés, nous, les gens qui ont besoin de l'hôpital, CSDP pour contenir avec Zamil. Les gens qui ont besoin, les enterrements pour faire CSDP avec Zamil. Les gens qui sont en prison, CSDP avec Zamil. Je dis, on a plein de prisonniers politiques. L'autre monde, c'est pouvoir chercher président, premier ministre. Mais c'est nous qui sommes en prison, passer Miagouane, au Cap, au Caï, et Jérémy, passer Saint-Marc, et à Caillé, un peu partout, Mibale, et Port-au-Prince, c'est nous qui sommes en prison. Et tout le monde, c'est nous qui connaissons la souffrance. Les gens qui ne mangent pas en prison, c'est nous-mêmes. Les familles en difficulté, c'est nous. Ça veut dire, il faut comprendre qui ça est de payer. Je dis à gain pouvoir, tout le monde a goumen, tout le monde a besoin de pouvoir. Mais, je dis à coup, bataille ça a coûté SDP, et en termes de sacrifice, pète en vie humaine, monde qui est endommagé, monde qui est en prison, monde qui est en marron, nous avons des exilés politiques, je dis à. Maïsra Yuri Chevry, il n'est pas là. Dimitri Kovle Kopavle, il n'est pas là. En pile l'autre monde toujours, il n'est pas là. Ça veut dire, son bagage qui coûtait SDP en pile. En termes de coûts, c'est pas coût sur le plan financier seulement, mais tout ça qui est un des cadeaux qui accompagne la bataille. Mm-hmm. Et moi, je crois que Jodia, SDP, a une responsabilité pour les mener le peuple à bon port. Et nous prenons responsabilité, nous connaissons, nous changeons sous différentes formes. Jodia, son bataille pour pouvoir, tout le monde a pouvoir parce que il a assassiné Jovenel, tout le monde a cherché pour comment Karal les draps mettre sous pied. Mais SDP, c'est lui qui prend tout risque. Et toute persécution, c'était nous-mêmes. Et on est à toute force, vous voulez arrêter nous tous, chaque jour, et gagner menace sur nous, etc. Mais nous bataillons pour nous arriver côté de rivière là. Et moi, je crois que SDP a traversé des airs là, et l'a privé côté pour arriver avec les Haïtiens. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, nous avons besoin de participation, tout le monde en général. Nous avons besoin de participation, et chaque Haïtien. Quitte ça qui est dans le pays, quitte ça qui est dehors. Mm-hmm. Et moi, je crois que c'est dans ce sens ça pour nous aller. Ça arrive qu'il y a une tout le monde, effectivement. Mais ma critique là, il faut nous joindre. Et moi, je crois que les rencontres hier après-midi sont très belles rencontres. Et moi, encourager les acteurs politiques pour continuer le travail, faire un dépassement de eux-mêmes. Et contrairement à ça, je suis dit, je ne suis pas dans la rencontre là, c'était pour ce qu'on a discuté. Au contraire, je suis gardé des documents, comment pour aménager les documents. Pour correspondre avec des idéalités peuple haïtien et moins fier de moun sa te chita parce que yo pa tap défendre et poste probablement y a mandé aussi yo gen d'expertise si yo gen de moun ki capable compétent honnête qui réunit et critères que yo fixé yo pour ba contribution yo parce que c'est avec moun pou yo fèl de toute façon moi me pense que gon côté ka privé y a obligé prendre responsabilité mais pi gros responsabilité c'est chef gouvernement k ap gen ou bien président de la République, ou bien Salia, qui a gagné pour mener bas pays, pour dire, mais respect à quoi, mais respect et mécanisme qui est établi, ou bien et plan qui est établi, c'est lui qui a pris responsabilité, ça, c'est pas nous, et de Kadjou, de façon isolée, ou bien au grand monde qui a pris pause, c'est lui qui met pays, c'est lui pour faire tout le bagage pour continuer. Mm-hmm. Et Marco Valbozo, vous avez trois questions, en fait, et c'est la très cassie, mais avant de poser une question, je vais poser une question, ça, Jodi a dans négociation, nous t'ai choisi en fait mettre Mécène Jean-Louis pour assurer et la transition en fait ou bien la gouvernance après Jovenel. Maintenant nous avons une chance et président Jovenel lui-même il pas quitter le pouvoir ou bien nous pas de possibilité pour nous faire quitter lui. Jodi a n'a négocié qui considération nous laguer mettre Mécène Jean-Louis net. Ou bien les sous table négociation nous potel, je dis à vous toujours assurer transition. Soit vous gardez ensemble des questions qu'on pose, mais après mettre Mécène, il fait partie des débats qui viennent là. Parce que jusqu'à présent, j'en suis dit là, et est-ce que tout bagaille fini au tranché pour monocéphale? Si tout bagaille fini au tranché pour monocéphale, ah mais laisse ça, nous avons l'autre préoccupation par rapport avec mettre Mécène. Mais si les débats pour qu'on finit, pas gagné dit que c'est. Ce n'est pas Mécène qui a choisi comme président. Mais si tout le monde dit, nous parlons dans monocéphale, mais automatiquement, qui est arrivé dans ça, et là, ça, on a dit, qui ça n'a fait avec Mécène. Et il y a un bagaille. Et qui a demandé, c'est faire un sacrifice pour pays. Parce que Mécène a toujours dit ça, à l'âge, il a déjà fait sacrifice ça, il a changé persécution politique qui Mécène a gagné.
yon côté n'a parlé là jusqu'à présent avec Mécène, yon interdiction de départ. Si le malade n'est pas qu'à le prendre soin, si c'est l'autre bord et qu'à la nécessité, c'est pour montrer des sacrifices qu'il fait. Et moi, quoi que nous-mêmes, et au niveau SDP, et qui ont respect pour le monde, et qui toujours respecté l'engagement nous, et qui croit que l'en baïmo nous et Fon Kembel, et nous toujours kembe contact avec M. Mécène, nous toujours kembe contact avec Prochely, et pour nous, et ma explication sur toute démarche qui n'a pas entrepris, à qui moment de la durée qui m'a dit pour faire un sacrifice ou bien pour payer un service, mais nous toujours en contact en permanence avec vous. Merci, Abil Sénateur. Merci. Kembe Fem Balagé. Bon, nous allons aller, Walter. Parce que nous avons suffisamment pour vous dire. Ok, donc, nous avons demain un petit graval. Et vous avez les mêlés, oui. Un petit graval. Bon, ok, et nous avons tourné demain, nous avons l'autre invité, comme nous faisons ça d'habitude. Nous avons continué à parler politique, parler pour le pays, puisque nous avons ça nous croit. Et nous avons le droit pour nous croire, nous avons fait l'autre pays. Et nous pas obligé de faire je nous fais tout le temps nous pas obligé de faire même pays à tout le temps et moi même si quelqu'un monde qui croit si Préval d'a fait pays aux gens Aristide d'a fait aux gens Matéli d'a fait aux gens Jovenel Moïse d'a fait aux gens que Alexis t'a fait pays aux gens Jacques Guy Lafontaine t'a fait aux gens Caplime t'a fait aux gens. Et elle me dit fait longtemps, on veut tout faire le même genre. Et Jout tape fait le même genre. Ariel doit faire le même genre, bah quoi ça? Parce qu'on lève au pays à changer. On lève pour nous gagner l'autre monde qui vient là, qui dit en nous font l'autre pays, en nous fait pays autrement. Sinon c'est mais nous n'a pas lavé, n'a pas sué la tête. C'est à chaque fois nous obligé justifier que même mounyo obligé faire même bagayo à chaque période. Donc si nous voulons l'autre pays, c'est sûr que nous devons changer de paradigme. Moi, ça me croit et ça me pensait pour qu'il fasse dans le pays. C'est toutefois nous le faisons.